Je tenais à venir à Famec, soutenir Salah, soutenir toute l'équipe du nouveau souffle. Famec est une ville formidable, qui a un potentiel, qui a des ressources, qui a une population riche de sa diversité. Il y a des gens qui veulent bouger, il y a des gens qui veulent construire une ville davantage en harmonie. Il y a des jeunes qui veulent réussir dans la vie, être soutenus dans leurs initiatives sans pour autant qu'on les assiste. Donc c'est un potentiel formidable qui a Famec et qui aujourd'hui est un peu étouffé sous une chape de plomb, celle du Parti Socialiste qui fait tant de mal au plan national, celle dont le discours est tellement en décalage avec la réalité sur le terrain. Il faut changer la mairie de Famec, il faut ce nouveau souffle qui apporte de la vitalité, ce nouveau souffle qui apporte de la responsabilité, ce nouveau souffle qui soit capable de tenir cet équilibre entre la fermeté et la générosité, ramener l'ordre, ramener la sécurité, faire que chacun respecte ses devoirs, mais en même temps être très exigeant sur l'égalité des droits. Les droits de tous dans l'accès au logement, dans l'exercice du culte, dans l'accès à l'emploi. Et venu parce que je suis maire d'une ville qui ressemble beaucoup à Famec, qui s'appelle Voipy, où les problèmes étaient un peu les mêmes. Et où finalement, on a surmonté plein de problèmes. Je souffre quand je vois qu'on parle encore d'insécurité à Famec, alors qu'il y a 12 ans, c'était bien pire à Voipy et qu'on a su le régler. J'aimerais bien qu'à Famec, on puisse dire « ces problèmes sont derrière nous » et on peut aborder l'avantage avec beaucoup plus de sérénité. Donc je sais que cette équipe, celle avec Eric, avec toute l'équipe, rassemble ses énergies, ses volontés qui sont capables d'apporter ce nouveau souffle à Famec. Donc je suis sûr que le nouveau souffle va gagner aux élections municipales et que Famec va pouvoir connaître un nouveau départ et que sa population vivra mieux et en tirera le plus grand bénéfice.